Contes de la mer, saison 2, épisode 3. Le rêve de Yume. C'est la nuit sur l'île enchantée et tout le monde dort, pendant que Yume, la fée des rêves, rêve qu'il va arriver quelque chose de mal aux petites créatures de l'île. La mer, autrefois si animée, semble aujourd'hui déserte. Dans son rêve, la fée voit des tortues et des oiseaux souffrir le long des rivages. Quelle pourrait être la cause de cette situation mystérieuse? Elle sait qu'elle doit informer l'équipe le plus rapidement possible. Le lendemain, tout le monde se rassemble pour écouter le rêve de Yume. Inquiet de la situation, Akari, Kokoro, Murasaki et la fée des rêves décident d'inspecter toute l'île. Ils fouillent chaque coin dans l'espoir de découvrir la vérité. Leur cœur se serre de tristesse lorsqu'ils trouvent des oiseaux et des tortues souffrir sur la plage. Ils les ramassent doucement, dans l'espoir de découvrir ce qui s'est passé. Akari, avec son toucher magique, examine les petits. Ses yeux s'écarquillent de surprise lorsqu'il découvre que les oiseaux ont l'estomac rempli de petites choses colorées. Quelles sont ces étranges choses? Et comment ont-elles pu entrer dans le ventre des oiseaux? Ils doivent surveiller attentivement la côte pour voir si quelque chose d'inhabituel se produit. La détermination de l'équipe brille plus que jamais lorsque la lune se lève sur l'île magique. Nos amis ne s'arrêteront pas tant que la vérité ne sera pas découverte, pour sauver les oiseaux de cette menace. Akari a pour mission de protéger la vie sur l'île. Et Yume, avec son pouvoir de voir l'avenir, aidera sa princesse. Pour découvrir ce qui vous attend, rejoignez Akari dans sa prochaine aventure. La princesse de la lumière et son équipe magique comptent sur vous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé l'histoire, soutenez ma chaîne avec une like et un abonnement. Akari et Kokoro seront de retour sur YouTube avec un nouvel épisode. À bientôt.